Vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de notre carrière, la véritable carrière d'un entraîneur, la première saison. Donc l'épisode est nous sommes en live, mais la rediff YouTube va être disponible pour les matchs importants de cette partie de live. Donc voilà, alors on va se retrouver en jeu pour voir un petit peu les nouveautés. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, on est 9e. Grâce à, notamment à Sissi qui est revenu de blessure. Mais voilà, il est re-blessé. Bon, pas pour longtemps normalement. Il est blessé 2 à 4 jours. À 4 jours, c'est juste une petite blessure au visage. Mais il a fait beaucoup de bien à l'équipe. Donc on s'était laissé sur cet épisode désastreux, il me semble. Avec 2 matchs nuls, une grosse défaite à domicile contre Séoul. Et donc j'ai fait en off ces deux matchs là que je pensais pas bon de montrer, tout simplement parce que c'était le premier et le deuxième, et pourtant on a gagné 2 buts à 1 grâce à Sissi encore et grâce à Kim Jae-hong, et nous avons gagné à l'extérieur contre le premier grâce à Sissi, notamment grâce à 2 pénaltys provoqués par Sissi et grâce à Jae-hong Min-yu, le petit jeune qui nous a marqué un petit but. Donc on se retrouve face au 8e et face au 6e. Donc j'ai pas mal de choses à vous dire parce que c'est des choses que j'ai dit dans la carrière en Belgique, l'ascension d'un entraîneur. Malheureusement je suis beaucoup avancé dans cette carrière, donc vous n'aurez pas le message avant un petit moment. Donc j'ai décidé de réduire un petit peu le temps de mes vidéos, tout simplement parce qu'elles ne sont pas vues à 100%. Donc voilà, maintenant on va passer sur un format type 30 minutes. Ce qui veut dire qu'il y aura seulement 2 matchs par épisode. Donc Jae-hong et Dae-joo. Voilà les 2 matchs de cet épisode. Et ensuite on verra. Donc voilà pour un message assez important. Je sais plus si j'avais autre chose à dire. Je vais regarder tout de suite. Non, c'est à peu près tout. Après, c'est... ouais. C'est pour l'autre carrière, mais ça, vous l'aurez en temps et en heure. Alors, on se retrouve donc pour 2 matchs importants. On va pas perdre de temps et on va démarrer tout de suite avec le premier match contre l'équipe juste au-dessus de nous. Je vais mettre le petit minuteur chronomètre. Donc voilà, alors on regarde la petite tactique. Donc j'ai décidé de mettre Kim Jong 2 sur le banc, pas de milieu offensif 100 pour ce match. On va partir en normal et bonjour Mister Mosera, bienvenue sur le live. Donc on va partir comme ça. Ouais, on mixe, on centre, on essaye pas de conserver le ballon, voilà, j'en ai un petit peu marre de me faire éclater comme ça. C'est bien beau d'avoir la possession, mais si on perd 3-0, il n'y a aucun intérêt. Donc on part sur un jeu un petit peu plus direct, un petit peu plus... ouais, direct, tout simplement. Donc on va mettre sur le banc l'attaquant qu'on a recruté, parce qu'il n'a pas été énorme sur les derniers matchs. Donc voilà, ça va le faire un petit peu réfléchir. Donc il me semble que sur le dernier épisode je vous avais présenté les nouveaux défenseurs. Donc c'est des prêts avec option d'achat. Donc on va voir ce qu'il nous donne tout au long de la saison pour voir si on les achète ou pas à la fin. Ouais, on va partir comme ça hein. Au niveau des transferts, je pense pas qu'il y en ait des nouveaux. Hein. Ouais, il y a lui, il est parti. Lui, il est arrivé. Je sais pas si on l'avait vu, mais j'ai demandé un prêt pour un défenseur centre, un en plus, qui a un niveau quand même assez élevé. Ouais, il a 2 étoiles et demie, 3 étoiles de potentiel. Il vient de... ouais. Pourtant d'une équipe du même championnat que nous. Mais il l'utilise pas trop. Et d'ailleurs il est même sur la liste des transferts si on veut l'acheter. D'ailleurs il est peut-être bien. Non, il est.
Non, il est pas sur. Il doit être sur le banc. Non plus, il est où? Il est là. Alors, je sais plus ce qu'il nous avait fait. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché à cette carrière. Ouais, il avait été pas très bon. Effectivement. Alors, on est parti pour ce premier match. On va baisser un petit peu la musique, qui est un petit peu forte pour moi. Et voilà. Alors, ça charge un petit peu de mal. Alors, donc on pourrait se retrouver 7e si on réussit à battre le club qui est juste devant nous, le 8e. Mais si on gagne, on passera devant déjà le 8e, ça sera déjà pas mal. Donc on est favori à domicile, donc c'est déjà pas mal. Voilà, on va faire les petites consignes type. Hein. Lee Yong Sang, lui, on va l'obliger à jouer du mauvais pied. Hop, on est favori. Le souci, c'est qu'on a perdu notre petit Sissi encore. Il va revenir pour le prochain match, mais il fait vraiment du bien à cette attaque. Et ce qui nous permet de pas perdre, tout simplement. D'ailleurs, grâce à lui, on a gagné deux matchs contre les premiers. Je pensais pas qu'on aurait pu gagner. Et pourtant, il a fait toute la différence. C'est pour ça que je galère vraiment dans cette carrière. C'est tout simplement parce que j'ai perdu des joueurs clés de cette équipe. On va leur dire d'être créatifs. Parce que pour l'instant, on cherche pas la possession. On joue. Alors je sais plus bien, il me semble qu'on joue en bleu. Ouais, on joue en bleu. C'était nul ça. Donc on fait pas trop le pressing, comme ça défensivement on se livre pas trop. Ça permet voilà de quand même récupérer la balle. Mais sans que la défense change de position, ce qui fait que ça crée des décalages et souvent c'est à cause de ça qu'on prend des buts. Oh, le tir s'est repoussé. Allez, pour l'instant on est dominateur au niveau des occasions et c'est ça que je veux. Parce que c'est bien beau d'avoir la possession, mais si on n'a pas les occasions, bah ça sert à rien. Par contre après faut être assez réaliste. Ah, il faut se concentrer. Oh, le but! Non, pas le but. Hors jeu. Dommage. On va leur dire de se concentrer un petit peu. On est pas mal dans ce match. Oh, par contre, si on foire les touches, enfin les têtes comme ça, c'est pas terrible. On va se prendre un but. Je le sens. Ils ont pas beaucoup d'occasions, mais ouais, ils sont assez dangereux. Ok, il devait y avoir une faute ou je sais pas, j'ai pas vu. Damien, il fait pas mal d'erreurs. Alors effectivement, il a 6,3, il est pas top. Bon, pour l'instant, c'est assez équilibré, mis à part la possession. Mais j'ai pas envie de la jouer, donc c'est normal. Oh, c'est beaucoup trop fort, ça. Ouais, non, on peut pas leur demander de... Je l'ai déjà fait. J'ai déjà demandé aux joueurs de se concentrer. Aïe aïe aïe. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux ces joueurs-là. Ils vont mettre un petit but, je le sens. Mon autre gardien est présent. C'est déjà une bonne chose. Ah, on en récupère la petite contre-attaque. Là, on met un peu de vite. Aïe aïe aïe. Il gâche vraiment plein de choses. Enfin, on leur demandera de se concentrer après. Ouais. Notre gardien qui fait un très beau match avec 8 de notes. On va leur dire. On va leur dire ça. Ils sont pas très motivés, mais bon. On va leur dire qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Voilà, vous pouvez faire beaucoup mieux, les gars. Allez, deuxième période. Tout est faisable encore.
Il va falloir juste assurer un petit peu leur passe. Ils sont très mauvais du jeu de passe. Et ça se voit assez souvent. Quand il y a passe ici, les passes. Oh, Adik. Il n'a pas réussi à bien reprendre de la tête. On a seulement un tir cadré. On va jouer le ballon dans la surface plus. On a une petite blessure là. Contusion au tibia. Par contre... Alors c'est le milieu offensif gauche. Voilà, on va faire comme ça et on va faire rentrer le petit Kwan, voilà. Et on va faire un petit changement aussi. Putain, il a 6-10. Il est pas énorme. Hein. Il est pas énorme. On va le changer aussi. Hein. Et on changera l'attaquant qu'à la fin. 6-10, ouais, il est vraiment pas énorme. Damien, il est pas énorme non plus, mais ça m'embête de faire un changement en défense. On va leur dire de se concentrer. Ils sont nerveux. 0-0, c'est pas bon pour nous ça. Hein. On va faire le changement tout de suite. La rentrée du petit attaquant là, qui est normalement très bon. Mais il a un petit peu de mal dans l'équipe. On va passer en offensif. Voilà, on va passer un jeu plus direct. Il faut aller marquer le but pour passer devant. Ça nous permettrait vraiment de nous imposer. Il n'y a pas le classement, ça va être fini. Ça va être fini. Ah, il dépasse. Si je me prends un but, monsieur l'arbitre, je crierai au scandale. Classement. Ouais, non, du coup, ça va pas bouger. Ouais, ce petit match amical nous fait pas du bien. Enfin, son petit match amical. Ce petit match nul. Ouais. Le problème, c'est que... Notre gardien, ouais, homme du match. Il nous a sauvés. On n'a pas cadré assez, on n'a pas... Ouais. Putain, en plus une petite blessure là de l'ailier, 9 à 12 jours encore. On n'est vraiment pas aidé. On n'est pas aidé et les supporters, ils sont pas très contents. Donc ça nous arrange pas, cette histoire. Ça nous arrange pas du tout. Alors, on va regarder un petit coup comment ça se passe là-dessus. Ok. Ouais, premier match assez décevant. On n'a pas réussi à ramener une petite victoire qui aurait pu nous emmener très loin. Du moins, nous faire progresser de deux positions. Atteindre la 7ème place, ça aurait été pas mal hein, quand même. Puis ça nous rapproche un petit peu des autres qui sont assez loin. Il y a un petit trou entre ces deux parties de tableau. Donc c'est dommage, mais bon. En même temps, dès qu'il y a passe ici ou Diapa, honnêtement, ouais, c'est pas la même équipe. Hein. Il n'y a pas des joueurs comme ça qui mettent autant d'impact dans l'équipe autre que Sissi et Diapa. Du moins, pour l'instant, j'en ai pas eu. Il y a des joueurs très bons, mais ils n'ont pas la même influence sur le terrain. Atteint la limite de carton jaune. Ça, c'est embêtant. Alors, donc, lui, il est blessé. Milieu offensif gauche. On va pouvoir mettre lui et on va faire appel à Park Jong-chan, le capitaine normalement, que je fais jouer très rarement. Et lui qui est suspendu, on va faire appel à lui. Il est censé être bon. Il est censé être très bon, malheureusement. Pareil, sur le terrain, ça se voit pas trop.
Mais on va lui donner encore une chance. Ouais, la Corée elle est pas évidente. En plus, on arrive en cours de saison où il y avait une équipe qui n'était clairement pas une équipe de tableau hein, avant. J'ai dû me dépêcher au mercato, donc j'ai pas forcément trouvé des super recrues. Donc défensivement, ouais, c'est assez limite. Et puis on n'est pas aidé par les blessures, ça c'est sûr. Énormément de joueurs clés qui sont blessés. Mais après, on va avoir des soucis de finances, ça va nous tomber dessus. Donc pour progresser en tant qu'entraîneur, ça va pas être évident. On va bosser le placement d'F. D'ailleurs, je sais pas comment les entraînements, ils sont comment. 7-0-5. Voilà, il est très bon, il est très bon. Pourtant, il, voilà, par rapport à certains joueurs comme lui, on peut le voir au niveau de sa forme. Note minimum, ouais, 6,75 de notes. Il est vraiment pas excellent sur le terrain. 6,80 en 20 matchs. Salut Zeldark. Bonsoir à toi. Merci d'être présent. Ouais, donc il est pas vraiment excellent. Et c'est plutôt dommage. C'est dommage. Alors, donc on bosse équilibré, pas de soucis. Là, on bossera un petit peu d'attaque. Et là, on va bosser l'attaque aussi. Et là, on rebossera le petit contrôle. Voilà. Inquiétante, le petit défenseur et le petit Redgen. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. On commence par une petite, un petit match nul. C'est pas évident. Donc voilà, on gagne. Les choses, les seules choses qui sont différentes par rapport au match contre le premier et contre le deuxième, c'est Sissi. C'est Sissi qui était revenu. Mais malheureusement, ouais. Malheureusement, il se blesse encore. Une petite blessure pas très grave, hein, une petite blessure à la tête. Mais bon, honnêtement, ça va finir par nous porter préjudice de perdre ces joueurs comme ça à chaque fois. En plus de ça, on risque de le perdre à la fin de la saison parce qu'il va pas vouloir prolonger. C'est quand même un joueur voilà, 5 étoiles, être dans un club deuxième division coréenne. Ouais, c'est largement un joueur de première division. Je pense pas qu'il va continuer à jouer avec nous. Malheureusement. Malheureusement pour nous. Alors, donc... Donc, pour l'instant, ils sont satisfaits. Jung Jung Yeon, bonne recrue. Ah, une très bonne recrue. Ah. Ah ouais. Pourtant, il fait pas, ouais, 6,70 pour moi, c'est une note moyenne, quoi. Oh, tiens, milieu de terrain, blessé, encore. Il sort de blessure, lui, en plus, hein. Une hernie, 5 semaines, et là, il est re-blessé pour 6 à 7 mois. Blessure de la hanche, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout qu'on n'a pas de joueur milieu de... Non, je sais plus. Il est pas mal ce joueur. Il est pas mal. Il a pas l'air de se plaire dans son club. Alors donc... ce qui fait du coup que lui il est blessé et va falloir trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Il n'y en a pas forcément. Ouais, entre la suspension et Sissi, il revient dans un jour. Ok. Équipe réserve. Alors donc notre petit Sarkic. Là on a un milieu centre. Il est bon ou pas? Non, il est pour Av. Il est pourri. Ouais, on n'a pas beaucoup de joueurs hein, qui sont bons dans la réserve. Alors avant que tu arrives, on a fait un petit match nul. 0-0.
contre l'équipe qui était juste devant nous. Donc c'est un résultat plutôt décevant. Et les matchs en off avant l'épisode de YouTube, enfin après plutôt, on a fait 2 victoires, 2-1 et 3-2 à l'extérieur contre les grosses équipes de cette compétition. Donc voilà, c'est décevant de faire un match nul alors qu'on a gagné contre le premier et contre le deuxième. Mais comme je disais, Sissi n'était plus là parce qu'il est encore blessé. Mais il va revenir. Il va revenir. Propose. Ah, c'est dommage, je peux pas l'observer. Voilà, Sissi reprend l'entraînement, donc il va bientôt revenir. Ouais, c'est un très bon joueur à mon avis. Est-ce qu'on peut pas, genre, proposer une période d'essai pour histoire de le voir à l'œuvre. Mais bon, il coûte au niveau salaire, voilà. On a déjà du mal. On fait des pertes de moins de 200 000 euros par mois à cause du salaire des joueurs. Park Jong-chan. Ok. Ouais. Non, c'est tout. C'est tout. Donc là, on va jouer le sixième. Ça va être assez, assez compliqué. Assez compliqué si on n'arrive pas à gagner contre une équipe juste devant nous, contre le sixième, ça reste ouais, ça va être tendu. Ça va être assez tendu. Ils ont combien de points? 39. Ah, ils sont très très loin devant nous. Mais bon, il faut obtenir des victoires. Hein. Bonne influence prévue. Ah, 650 billets qui sont vendus. C'est vraiment pas énorme. Ils ont des salaires de joueurs de staff qui vont à plus de 200 000 euros et ils vendent que 650 billets par match. Ouais, c'est sûr, par rapport à l'ancien entraîneur, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, mais c'est quand même une équipe qui a du gros potentiel et qui aurait jamais dû se retrouver là, malheureusement. Voilà, il y a eu un très mauvais mercato de l'ancien entraîneur. Voilà, bosser avec une défense comme il pouvait bosser. Au secours. Au secours. Il a jamais joué de sa vie, lui. Il a 32 ans, il a fait 20 matchs dans sa carrière. Alors. Diapa, quand est-ce qu'il va revenir? Allez, on est quasiment... C'est bientôt le retour de Diapa, on y croit. Allez, la petite sélection, le retour de Sissi, non? Ah, le retour de Sissi direct. À droite. On va le mettre en... Quoique Sissi, c'est un ailier attaque. Donc on va le mettre en ailier aussi. Ah, quoi qu'il est meilleur en attaquant. Soutien. Et on va mettre, on va mettre, on va mettre... Non, pas lui. Lui, sur le banc. Voilà, on va partir comme ça. On va regarder un petit peu. Donc lui, le gardien nous a sauvé sur le dernier match, 8-10. Sinon, ils sont plutôt pas mal. Damien, mais j'ai personne d'autre, quoi. Même mes joueurs de 16 ans, ils faisaient mieux que Damien. C'est fou. Ouais, sinon, ils sont pas trop mal. C'est pas excellent, mais... On va changer l'attaquant. On va redonner la chance à Yong Dong Min de se faire une place en équipe première. On est à l'extérieur, donc pour l'instant on va partir en normal. On va jouer comme ça. Et on est parti. Ah bah la différence, il n'y en a pas vraiment, c'est un petit peu le même style, sauf que voilà, ils partent pas dans le même endroit, voilà. C'est exactement pareil. L'objectif, c'est de devenir un grand entraîneur. C'est le genre de carrière que j'aime bien faire.
Avant la VWM, j'en avais fait une qui s'appelait exactement comme celle en Corée. Et on partait, on était parti en Angleterre. Et on n'avait pas bien réussi. Il est ouf, il est là, on va l'obliger à jouer du mauvais pied. Je veux un gros match aujourd'hui. Là, il faut la petite victoire, les gars. Allez, on croit en eux, on les encourage. Ils sont meilleurs à l'extérieur, des fois, j'ai l'impression. Ouais, sinon, la véritable carrière d'un entraîneur, ou la carrière d'un véritable entraîneur, je sais plus comment je le dis. Et puis, l'ascension d'un entraîneur, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, c'est le même but. Alors, on joue en bleu, comme d'hab. On est à l'extérieur, il y a un stade de ouf, et il y a 600 supporters. C'est quand même, ouais. Je pense que je sais pas comment une équipe de Corée peut faire du chiffre d'affaires. Hein. Bon, on subit énormément. On va se mettre en contre. On va prendre cher, je le sens. Ah, pourtant il y a Sissi au fait. Mais ouais, il y a Sissi. Il est revenu. Il va peut-être nous aider. Oh, ça sent le but. Oh oui, c'est le but. Ouverture du score de 2 à jus à la 6ème minute. Ça fait mal. On n'a pas touché un ballon. Ils nous ont fait 2 tirs, un cadre, un but. Comme ça, c'est fait. Voilà. Mais avec Sissi, on peut se dire que on peut y croire, hein, Sissi. Voilà, penalty. Penalty. Sissi l'a obtenu. Il est tellement rapide et tellement bon en dribble que les joueurs sont obligés de faire des fautes. C'est au moins le troisième penalty là, quand il est, depuis qu'il est revenu, qui l'obtient. Et du coup, c'est cet attaquant qui en profite à chaque fois. Cinquième but de la saison, c'est au moins son troisième penalty. Donc voilà, pas mal. Allez, on est relancé dans ce match grâce à le petit Sissi. Petit Sissi qu'on va pas pouvoir garder dans l'équipe, c'est vraiment dommage. Allez, on y croit. Aïe 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 aïe, on va encore s'en prendre un. Ouais, défensivement, on est trop... On court partout. On est pas en place. Gardez votre placement, les gars. On va arrêter de ça. On va jouer en mixte. Ouais. On va peut-être faire un petit peu plus de pressing quand même, comme on est en contre. Parce que sinon, on va jamais récupérer le ballon. Oh, bien joué, ça. Par contre, ça, c'est un petit peu moins bien joué. Oh, yeah, yeah, bien joué, Dick. J'ai cru au but, là. Allez. Ah, ils prennent pas la profondeur, c'est un truc de dingue. Ils prennent pas les ailes, les gars. Allez, OGM qui est plus rapide que les autres. Et ça fait but. On prend vraiment cher dans ce match. Mince. Ouais, parfois. On va dédoubler et jouer le ballon dans la surface. Parce que j'aimerais bien qu'ils prennent un peu les ailes, les ailiers. Ouais, on n'a pas été à la hauteur là. On va être agressif. Allez les gars là. On peut voir les stats. Ouais, pourquoi pas. Un peu plus bas. Jouer le ballon dans la surface, empêcher les relances courtes. Après, ouais, empêcher les relances courtes, ça dépend, parce que si on a des bons joueurs de la tête, pourquoi pas. Ouais, ça dépend. Si on en a pas, ça change pas grand chose, on va prendre encore un but. Aïe aïe aïe. Ouais, Damien, il est pas au niveau, et puis le jeune défenseur, là, il est pas au niveau non plus. C'est pas avec des défenseurs comme ça qu'on va gagner. Et puis lui, c'est qui? C'est un défenseur droit, ouais. J'ai pas de défenseur sur le banc. 6-10 pour le milieu.
C'est la première fois qu'il me fait un si mauvais match. Voilà, là j'ai pas trop de solutions, on va dire. C'est il y a pas mal de mes joueurs qui font n'importe quoi. Allez Sissi, bats-toi. Il se bat tout seul le petit Sissi. Bon par contre il fait une sale passe. On va leur demander de se concentrer un petit peu. On va prendre cher dans ce match. Aïe aïe aïe. Il cherche même pas la balle de la tête quoi. Il reste encore du temps mais je pense qu'on va on est plus près du 3-1 que du 2 partout. Hein. Ouais, heureusement qu'il y a le gardien, moi je vous le dis. Et il envoie, c'est bien un jeu direct, mais il envoie devant, c'est un truc de dingue. On a toute notre défenseur qui sont horribles. On n'a pas de milieu, si peut-être bien. Allez, on va faire des changements là, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ouais, on va faire un petit changement. Non. Attends, je croyais qu'il... Ah non, c'est pas lui. Il est ouf. Ça doit être lui. Ouais. Il est plutôt mauvais aussi. On va le mettre en tant que milieu récupérateur soutien. Et à gauche, on va mettre... Non, ça c'est à droite, perdu. Ils ont tous les mêmes noms. En ailier soutien et après. Je vais pas faire tous les changements non plus, mais ouais. On va faire appel à Kim Yong 2, meneur de jeu soutien. Non, j'ai pas changé la bonne personne, je crois. Hop, et puis on va faire un petit voilà attaquant pivot, même attaque, ça change pas grand chose. Voilà, on va compter sur lui, j'espère que ça va faire un petit peu la différence. Ouais, carton jaune, ça c'est fait, et il est sorti direct de toute façon. Allez les gars, soyez créatifs. Ah là, Sissi peut pas tout faire, je crois qu'il est pas non plus... c'est pas un dieu. Allez, dernier changement. Ouais. Je sais pas, changer en défense, ça change plus grand chose. Et on va repasser en offensif. On n'a plus rien à perdre. On n'a vraiment plus rien à perdre. Ah, ça sent la petite défaite. Ça sent la petite défaite. Ouais, on a été complètement dominé. Il n'y a pas à dire, il y a un véritable trou entre nous et les autres équipes. Allez, c'est fini. Défaite. Défaite. Et on va s'arrêter là pour la petite rediff YouTube. Alors, on va dire qu'ils ont manqué de réussite. Voilà, on va essayer de pas trop les lyncher. Ouais, mauvaise prestation. Honnêtement. Ouais, pas terrible. Vivement, le petit retour de Diapa. Alors, on en est où au niveau du temps? 30 minutes, donc on va s'arrêter là pour la petite... la vidéo. On va faire la petite réunion, voilà un petit peu, ouais, il y a trop de choses à voir, on verra ça après. Donc on va s'arrêter là pour la petite vidéo, merci de m'avoir, d'avoir regardé. Je vous invite à aller sur Twitch pour pouvoir suivre cette carrière en off. Je vous remercie de me soutenir, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Donc je vous invite à aimer, à partager, à commenter et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette carrière qui est assez compliquée comme le dit si bien Zeldark. Ouais, très compliqué cette saison, je pense que ça sera pour la saison prochaine. L'objectif de cette saison c'est de pas trop être ridicule et d'essayer d'aller le plus haut possible, mais la saison prochaine
ça va être de retrouver un esprit plus compétitif, hein. Ça va être assez compliqué, mais il va falloir un petit peu, ouais, il va falloir faire des bonnes recrues, je pense, au mercato pour pouvoir y arriver. Donc on s'arrête là pour la rediff YouTube et on se retrouve très bientôt. Salut à tous.